Langman et dire pardon aux familles tout ça pour son décès, hein. Ça marche petite? Salut! À la troisième place de ce top 3 des trucs chiants qui arrivent quand on appelle un numéro surtaxé, le cheminement pour arriver à ton interlocuteur. Voici une petite mise en situation. Au fait, quelqu'un pensait à déclarer l'heure du décès? Jaune, jaune! Bienvenue chez Jaune. Appuyez sur la touche étoile de votre clavier. Merci. Si vous êtes abonné chez Jaune, tapez 1. Sinon, tapez 2. Merci. Tapez votre numéro d'abonné à 6 chiffres. Merci. Si vous êtes un homme, tapez 1. Une femme, tapez 2. Merci. Si vous êtes hétéro, tapez 1. Gay, tapez 2. Autre, tapez 3. Merci. Attention, question sur écoute. Êtes-vous content de la politique de notre président? Oui, tapez 1. Non, tapez 2. Merci. Vous n'avez pas donné la bonne réponse. En raison d'un trop grand nombre d'appels, tous nos correspondants sont indisponibles. Veuillez rappeler ultérieurement. De plus, suite à votre mauvaise réponse, le gouvernement va étudier tous vos liens internet. Merci de votre confiance chez... John, John! Oh putain, les enfoirés. Madame Langman n'avait pas de prostate. Ça fait 20 ans que je suis spécié, moi. Ok. À la deuxième place de ce top 3 des trucs chiants qui arrivent quand tu appelles un numéro surtaxé, la musique d'attente. Voici une petite mise en situation. Elle va voir la direction maintenant, la salope. John, John! Un correspondant va prendre votre appel. J'adore cette musique. Allô? Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah non, maman, elle se fait pécho par trois beaux canaques dans la salle de bain. Le téléphone pleure quand elle vient. John, John! En raison d'une vague de suicide, aucun correspondant ne peut prendre votre appel. Veuillez appeler ultérieurement. Oh la vache. Si elle est partie, alors... Écoutez, moi je savais pas que les femmes n'avaient pas de prostate. Je suis pas un full-time job non plus. Comment ça, je suis viré? Ah, je suis viré. À la première place de ce top 3 des trucs chiants qui arrivent quand tu appelles un numéro surtaxé, ton correspondant ne travaille pas en France. Voici une petite mise en situation. Voilà, bonjour, ben enfin. Vous êtes où là? Ah, t'es à Paris! Ah ouais, d'accord, alors quel temps il fait à Paris? Tosuke! Ouvre-moi ton gars! Et puis t'es beau! T'es de ma gueule, il flotte! Et que fais-tu pas, Boubou? Bon bah, j'ai un problème avec ma ligne jaune. C'est qu'à prendre la ligne blanche! Et vous pensez? Vous t'es de ma gueule là? On devrait parler à un responsable tout de suite! Là, il fait grève! Et vous pensez? L'enculé, il a raccroché. Bon bah voilà, ce top 3 c'est fini, alors laissez vos messages à l'adresse ci-dessous, ça fait toujours plaisir. Avec ou sans prostate, à plouche.